Bonsoir à la une de ce 14 mars, la Fashion Week parisienne terminée depuis une bonne semaine. Du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à la publication ce matin du nouveau roman photo présidentiel par sa photographe officielle, Soizic de La Moissonnière. Vous connaissiez le Friday Wear, découvrez. Mes chers compatriotes, je déclare la guerre. Mais pas n'importe quelle guerre. La guerre du style. Friday Gear, la nouvelle collection. Nous sommes en guerre. Mais comment fait-il pour rester aussi beau alors qu'il gère des conflits? Il me rend fou, cet homme. Ah, la guerre, donc, qui se poursuit, malheureusement, et on s'en passerait bien, sur LCI, notamment, où on a senti une certaine nostalgie du monde d'avant. Du monde d'avant, avant le monde d'après du monde d'avant. Enfin, quand il n'y avait pas de Covid et pas trop de guerre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de cette émission. Nous sommes ensemble pour 3 heures de direct. Vous en avez l'habitude, 19e jour de grève en Ukraine. Si seulement, ce n'était qu'une grève. Si seulement. Eh oui, ah, la nostalgie pour tout le monde. C'est énorme. Ouais, c'est toujours compliqué de se remettre en route le lundi et le lundi matin, j'en parle même pas. Et ce n'est pas Alexis Corbière qui me dira le contraire. D'abord, je pense au peuple ukrainien, oui. Évidemment, oui. Victime de l'agression d'Emmanuel Poutine. Mais le peuple russe, vous avez dit Emmanuel Poutine. Emmanuel, ah bah, oh, Vladimir, c'est moi qui m'ai compris. Non, mais Vladimir, non, non, alors vraiment, non, c'est non. La constante du matin. Non, mais... c'est formidable. Eh oui, c'est lundi matin, c'est lundi matin. Allez, tiens, un peu de poésie dans ce bas monde. Ça ne nous fera pas de mal, c'était ce week-end. Christian, c'est un paysan. Et dans paysan, vous savez ce qu'il y a comme étymologie? Il y a Zan. Il y a pays, parce que Christian, il se battra toujours pour ses convictions et pour son pays. Ouais. Franchement, d'habitude, je me moque, mais là, je dois reconnaître que c'est beau, que c'est profond. J'ai envie de dire, merde, Baudelaire. Et à propos de la campagne présidentielle, intéressons-nous ce soir, parce qu'elle adoucit les mœurs, à la musique qui habille les avant-meetings des candidats. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a Éric Zemmour, par exemple, qui a opté pour une ambiance médiévale très Puy du Fou. Enfin, à tout moment, il y a un faucon qui peut venir se poser sur le bras d'un mec en armure. De son côté, Valérie Pécresse a choisi pour une ambiance disco-funk, simili Daft Punk. Problème chez les LR, ils aiment tellement le morceau qu'ils préfèrent écouter la chanson plutôt que la candidate. Madame Valérie Pécresse! On ne l'entend pas, on ne l'entend pas, on n'a rien truqué. Hein. Et c'est marrant parce que cette musique est également utilisée, Patrick Cohen, je vous le donne en mille, dans le meeting de... Un autre moment alors. C'est pas trop mignon ça? Zemmour et Pécresse utilisent la même musique pour leur meeting. On savait qu'ils étaient raccord sur les paroles, notamment sur le grand remplacement, mais ils aiment les mêmes airs, c'est trop mignon. Pas le même maillot, mais les mêmes passions. Mais en termes d'ambiance, celle qui surprend le plus, c'est celle du Rassemblement National, qui avant les meetings de Marine Le Pen, diffuse des extraits de discours sur fond de musique lounge. Non, c'est sympa ce morceau, mais ils ont oublié certaines répliques dans leur mixtape RN Cool Lounge. On s'en est chargé pour eux. Je pense que la France n'est pas responsable du Belgique. Nous ne sommes pas contentés de critiquer les mauvaises décisions, nous en avons proposé beaucoup. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Ouais, ça marche aussi. En bref, ce scoop, le Premier ministre n'y croit plus. Alors, trois options. Soit il ne croit pas à la réélection d'Emmanuel Macron, soit il ne croit pas qu'en cas de victoire, il lui renouvellera sa confiance. Ou troisième option, il en a vraiment plein le cul. Toujours est-il qu'il l'a sous-entendu ce matin. La meilleure reconnaissance qu'on peut leur apporter, c'est de leur dire, voilà, les moyens seront au rendez-vous pour vous permettre d'exercer votre office dans les meilleures conditions possibles. C'est ça que la population attend. Je le sais parfaitement en tant qu'ancien élu local, en tant que citoyen que je vais bientôt redevenir, tout simplement. Ah, c'est officiel, Jean Castex est déjà à la retraite dans sa tête.
C'est dingue, ça. Bon, oui, c'est exactement ce que je me suis dit en voyant l'expo. Ah, oui. Mais non, institutionnellement. C'est ce qu'on a dit. C'est le premier temps de la réforme des retraites. C'est ça. Il me semble, oui. Ah bah oui. Ah, il te semble. Mmh. On m'a dit le contraire. Ah oui, on me dit oui. D'accord. La même personne qui m'a dit non tout à l'heure. À part ça, quelqu'un a un chargeur sur lui? Non. Non. J'ai l'impression qu'il est sur batterie faible. C'est moi. C'est la guerre russo-ukrainienne sert Monsieur Macron. Et comme d'ailleurs c'est toujours le cas dans le cas de conflit. Le cas de quoi, pardon? Comme d'ailleurs c'est toujours le cas dans le cas de conflit. Dans le cas de conflit. Bon, d'accord. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, le Conseil national des professions de l'auto faisait passer un grand oral aux candidats et leur soutien. Et visiblement, ils souhaitent faire de grosses économies d'énergie. Si on est sans omettre à aucun moment les questions d'amont et d'aval, nous savons pertinemment qu'il y a en France, un enjeu de compétitivité. Et s'il n'y avait pas cet enjeu de compétitivité, on ne pourrait pas parler de ce secteur au futur. Et je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Xavier Bertrand lors du projet Blair Witch. Un grand oral animé par le journaliste d'Europe 1, Pierre de Villeneuve, ou comme on l'appelle dans le milieu, Peter Tu Villeneuve, le loup de la Startup Nation. Vous avez parlé du leasing auto-social. Tout le monde sait ce que c'est que le rétrofit. No offense, comme on dit en anglais. Privilégier le soft hard fit for 45. Alors que vous avez passé un bon lunch. Vous avez aimé votre lunch. On se voit ASAP pour l'after work. Vous ramenez des drinks, mais pas trop hard. Plutôt soft, pas trop hard. Petit rebond sur l'archive de Pierre tout à l'heure. Il était invité, notamment Anne Hidalgo, qui a fait de l'humour, mais malgré elle. Une chose est sûre, la salle a beaucoup ri. Les jeunes parisiens, et ce n'est... No offense, comme on dit en anglais, mais quand ils voient la circulation dans Paris aujourd'hui, et vous y êtes pour quelque chose, bah peut-être que c'est pour ça qu'ils n'ont pas envie de passer le permis de conduire. Ça roule mieux, c'est vrai, ça roule beaucoup mieux. Et surtout, ils se disent qu'à vélo, c'est beaucoup mieux encore, vous voyez. Ah, c'est bon de rire. Et on referme ces actualités avec cet écueil auquel nous ne pouvons malheureusement pas échapper, l'équilibre des temps de parole. Nous en devons à Éric Zemmour. Voici donc 20 secondes de son porte-parole de campagne, Jean Messia. Presta, presta, yuba, yuba, ye, yuba, yuba, ye, yuba, 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 ye, visto quando passare te, manadande sonne se. Baila, 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 baila. J'ai eu une pensée pour la personne du CSA qui va noter 20 secondes pour reconquête suite à la diffusion de cet extrait. Elle ne courage plus que 27 jours. Bonne soirée. Ah.